Allez, c'est parti, on continue. Heavenly Sword. Sword, comme il disait dans le premier. Enfin, dans la première VOD. Sword. Heavenly Sword. Coucou YouTube, hein. Oh putain, ce décor est magnifique, hein. Franchement, la PS3, là, elle doit bien cracher ses poumons. Regardez-moi, il y a un petit port, voilà, un petit port de pêcheur en bas. C'est très très... Merde. Attends. C'est très beau. Je sais déjà plus comment on joue... On... Ok, les corbeaux. Je vais quand même baisser le son encore un peu. Voilà. Ici, il n'y a rien. Parfait. Pff, petite statue de dragoon. Je sens que c'est encore trop fort, putain, c'est pas possible. Mais ça a pas pris mes réglages, non, en vrai. Depuis des générations, mon clan a exercé cette vigilance sans répit. Putain, ce son en mono, quoi. Sauvegarder les changements ? Oui, s'il vous plaît. C'est bon, ça les a gardés. Nice. Oui, des petits tirines. On a de la compagnie. Oh oui, bonsoir. Oula. Oh merde, ils m'ont lancé quelqu'un, hein, les bâtards. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non, d'accord, je peux pas éviter. Je peux pas la... Mais... c'est l'enfer. Ah putain, je prends vachement de dégâts en plus. J'ai perdu toute ma life là-dessus, quoi. Oh là là, j'ai un peu. Merde, j'ai perdu mon boost. Attends, comment les... Ah oui, attends. C'est pas vrai. T'as trop peur pour te... Attends, comment j'ouvre le regard à eux, là? Comme ça. Il est mort. C'est mort ou pas? Pas mort. C'est mort. Putain, je perds toute ma vie. What the shit. Selon le clan, être le gardien de l'épée était un honneur. Je n'étais pas d'accord. Je la méprisais. Dans mes rêves les plus secrets, Heavenly Sword n'était rien de plus Heavenly Sword. Qu'une simple épée.
Elle ne venait pas des cieux et ne serait réclamée par aucune divinité reconnaissante qui restaurerait la paix. C'est vrai. Si c'était vrai, alors je ne serais pas une malédiction ou le présage de notre perte, comme il disait. Tout ça, je le gardais pour moi. Pas bien de garder les trucs au fond de soi. C'est tout ce que c'est pas bien. Putain, ce décor, là. Ce décor, là. Très très beau. Bon, c'est en 360p. C'est beau. Petit travelling et tout. Ah, mais là, si vous mettez un combat de boss, j'ai 0 PV, quoi. Ah bah, c'était fini là, en fait. Encore cette fois. Bon sang, Nariko! Tu es tombé dans un piège! C'est qui, moi? Qu'elle se sauve d'abord elle-même! Venez, ouais, je sais, mais bon, je suis venu. Je suis une ouf. Je veux de la vie, en fait. What? Ah mais j'ai repris full life, what? Se prend pour une ninja, lol. Lui, ils esquivent tout en fait, hein. C'est faux que des attaquants. Franchement, des petits coups dans le dos, hein. Casser les coups. Montre-nous encore comment tu bouges. Arrête de contrer. Arrête ça. Attends, je crois que je peux lancer des... Ouais. Tiens. C'est une meurtrière, mais vous êtes vus? Vous êtes 10 contre moi, quoi. Ça doit faire mal. Je t'arrêterai. Oh. Elle est à terre. Abandonne. T'es foutu. Ah oui, l'écrasage de balls, oui. Le meilleur coup. Mais pourquoi ils sont tous sortis là, ouais. Oh là là, il a broyé les nuts. Le nutshot, mec. Hein. Toi, t'as esquive, mec. Mais. Faire avaler les boyaux par les trous, c'est-à-dire. J'ai pas encore bien compris comment arrêter les gardes, en fait. C'est peut-être ça, en fait. Il est dead. Il est pas dead, mais... Je peux pas le finish, hein. Posez-le. Ah, là, je peux le finish. Non. Putain, mais... Ils sont longs, les combats, Nariko, Shen n'est pas avec nous. Gohan l'a emmené ailleurs.
D'accord, très bien. Ah, mais c'est un Korbak à lui. Un élu voit le jour. Un grand homme envoyé des cieux. Oula. Dont la mission est de répandre la parole divine sur terre. C'est moi. Il est costaud, c'est le grand costaud lui. Hein. Putain, la consanguinité des gens là, pas ouf hein. Alors l'épée est des nôtres. Il est beau lui, mais oh, il est ouf. Général Acérodon, je préfère penser Acérodon. Que la raison pour laquelle vous l'avez laissé vous échapper n'est qu'une illusoire manigance destinée à me ridiculiser, et non parce que vous êtes un triste médiocre bon à rien. Ouh, je suis loin. Ah oui, c'est Jim Carrey la voix. Médiocre, si. C'est une question de point de vue, très cher. Quelque chose à parler ? Oh putain, la langue qui fourche. Ouh. Attention. C'est ce que c'est, hein, ce genre de personne, attention. Ça sent la pieuvre pourrie, dégoulinant de pu et de vergluant. Venant d'un crâne asexué planté. Mais comment ils se boulient entre eux, quoi ? Excusez-moi. Qui sortent de tous ces orifices. J'ai dit excusez-moi. J'aime bien rigoler. J'aime bien rigoler. Oh merde. Vous m'avez appelé ici. Général. Comprenez-moi bien, j'ai besoin qu'on me protège de ceux qui veulent se débarrasser de moi. Mais c'est une parodie ou quoi ? Comment vous faites ça ? Je vous protégerai le plus attentivement possible. Merde, il a... Non, je croyais qu'il avait défoncé la meuf. Bon. Bien évidemment, le bon... Bye. Ils avaient un problème quand même avec la mise en scène à cette époque, ils faisaient des trucs mais genre... Il y a quelque chose qui me dérange tout particulièrement chez lui. Ah bah oui, non mais ça, il y a beaucoup de choses qui dérangent chez lui, hein. Même chez eux. Hein. Limite le méchant c'est le mec normal quoi. Il fait d'apporter l'ordre parmi les tribus disparates de cette terre. Est-ce que tu vas laisser ton peuple souffrir au nom de tes extravagantes croyances païennes ? Oh mec, t'es foutu ! Oh le malaise, la cinématique du malaise, what the shit ? Mon cher et sublime roi. Papa. Quoi ? N'étais-je pas déjà dit de ne pas m'appeler par ce nom ? Ah merde, c'est ton fils. Tu ne crois pas que c'est déjà assez difficile comme ça de te voir chaque jour sans que tu me rappelles sans cesse que tu es le fruit de mes C'est tellement violent. Pardon, papa. Pardon, papa. Ouh, ne soyez pas si cruel avec ce garçon, pauvre chéri. What ? Fais en sorte que notre invité se sente un peu moins à son aise. Attache-le quelque part bien en évidence, de manière à ce que sa chère fille ne puisse pas le rater. Oui, pap. Tu vends. Vous autres, c'est pareil. Sois une gentille fille. Il va tuer un butelu, je sens. Il va tuer un Zubat. Apporte-moi cette Evenly Sword. Sword. Eh ben putain. Libère-nous. Oh putain. Dans le mixage des cinématiques et du jeu, c'est pas la même quoi. D'accord. Oui, bah... J'explore déjà, je regarde la physique du jeu, c'est incroyable. Putain, là... Utilise
les leviers. Sauve ton clan. Je rêve où la tasse elle a ricoché sur l'épée que je portais quoi. Ouh, attention, hop. Libère-nous. Oui, j'arrive. Personne dans vos cellules là. Des espèces de shurikens ensanglantés là, je sais pas ce que c'est, mais. Est-ce qu'il y a du lore? Quoi ça? Hein? C'est quoi? Ah, mais c'est juste un bouclier, d'accord. Ah, il faudra que je lance. Ah oui, il faut que je lance sur quelque chose. Du coup, je fais comment? Je rentre là. Merde, ça rebondit. Attends. Je sais plus comment on dirige le... Ch-ping. Oh là 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 là, ce trick shot. Pou pou pou. Incroyable. Attention, grossier. Du coup, je vais faire un tour, bien sûr. Plip-plop. Ok, maintenant, on fait quoi? La prison terminée, d'accord. J'ai pas brillé, hein, non c'est... Ok, d'accord, t'as le truc... Ah, y'a quand même une cinématique, ok. Merci, Nariko. Allez, suivez-moi. Où est-ce que tu nous emmènes? Il faut qu'on retrouve mon père. C'est perdu d'avance. Dis bien, Balkany. Il est probablement déjà mort. Oh, le mec est pessimiste. Comment Shen peut être assez stupide pour te confier l'épée à toi plutôt qu'à un autre? Ça, c'est pas très gentil. Il y a toujours le jeu du vent dans ses cheveux. Je me préoccupais beaucoup de l'opinion du clan. Maintenant, je m'en balèque. Mais cette époque-là est révolue. Ça, il fait une écharpe. Alors je prierai pour nous tous, Nariko. Par contre, je vous ai libéré de prison, mais je vous re-enferme. Désolé. C'est des anguilles, bordel, bah ouais, j'avoue. Elles ont leur propre volonté, leur propre raison de vivre. Ah, des petits bouddhas. Utilisez le bazooka pour vaincre les ennemis, ok. Bah écoute, je suis pas vraiment pour, mais... Il va falloir viser avec cette manette de mort, ça va me trigger. Ouais, ça va être chiant. Ah merde, il vous reste plus que 5 enquêtes, ah merde. Oui, j'ai pré-shot pour rien. Oh ouais, nice. D'accord, de munitions.
mec, il a cramé toutes ses mines dans deux jours. Je suis trop fort. Allez, maintenant je me tape la horde, quoi. Le nutshot. Ah oui, ça les fout tous par terre en fait, les mecs. Ils sont tous là. Non. Oh putain, mais c'est la pire chose qui se soit arrivée. Une de nutshot. Wow, 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 calme. Sortir la grosse artillerie. Je l'ai envoyé valdinguer lui. Allez, vite. Ah non, il est mort. Hein. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Attends, il y avait de la vie là, je crois bien. Voilà, et ici il y a de la vie. Vip. Ah, le petit Bouddha qui se cache les yeux là. Ah, il y avait un bazook ici aussi. Mais putain, il y a un bazook. Je suis pas rendu, hein, si je dois y aller avec... Ah si, il y a un boss. Ouvrez les portes du temple avec un bazooka ou pas? Il y a des pop? Non, il n'y a pas des pop. De toute façon, stylé, prendre un bazooka. Vous êtes à court de munitions, yes. Ah non, il y a un truc là-bas. Ok, j'ai pas vu. Je sais pas si je suis full life ou pas là. J'étais full life. Attends, c'est quoi les petits machins? Faut interagir? Ah oui, d'accord. Ouh, petit climbing! Dans le vide.
Hein? What? C'est badass, mais j'ai fait quoi là? J'ai pas fait ce qu'il fallait faire là. Hein. Attends, je remonte. Pas un truc à faire là-haut. C'est ce que tu veux. Genre. Ah si, y'a un truc là. Attends, parce que. Ça, c'est pour redescendre, ça. Hein? J'avais quoi à foutre ici en fait? La porte est fermée. Ah non, je pense que c'est fallait que j'aille de l'autre côté avant. À tous les coups, c'est ça. À tous les coups, c'est ça. Merde. Vraiment QTE là. Eh bonjour, bonsoir, comment ça va bien? Aïe. Mais, casse-couille. Mais pourquoi je peux plus finir lui? Tiens, oh, ce petit combo là. Oh, il est stylé ce combo. Je vais tomber comme une lumière. Ah, ils savaient que je vienne là parce que je peux pas voir là. Ah. 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 Ça a enlevé, à mon avis, quelques-unes des. Ah, une barre. Deux barres. 3 barres. Oulala, là là, c'est le plus beau Fuzzbury du monde. Plus. Ah, du coup, ça a ouvert l'autre truc. Quoi. Il y a un truc qui débloque les machins et un truc à mon avis qui débloque l'ouverture de la porte. Oh, quelle agilité. On se retape un QTE pour remonter. Merde, je. Je crois que les QTE sont juste là pour acter le max de points à la fin du stage. T'es ouf, hein, parce que j'en ai deux points. Bonsoir, ça va bien? Ah oui, voilà, le levier, hop là. Et voilà, la porte va s'ouvrir. C'est ouf. Musique. Ouh, cette petite eau colorée. Un peu marécageuse. Pas de la vie là qui traîne. S'il vous plaît. Oups. Nope. Encore une porte, ah ben non. Ah, celle-là s'ouvre toute seule, cool.
bonsoir. C'était un temps de chargement pour la cinématique, pour sûr. Ah, elle a une anguille sur la tête. J'avais pas vu. Est-ce que tu reconnais ces jolis drapeaux, Nariko? Ils appartiennent aux autres clans qui habitent cette terre. Ces cadavres sont les trophées du roi Bran. Ce doublage. Ils étaient autrefois de grands guerriers, mais ce sont plus que des... La duc ! Est-ce que tu vois le drapeau de ton clan, Nariko ? Attendez, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. Cher et moi, nous sommes devenus très proches en ton absence, ma petite. Très, très proches. Quoi ? Tu baisses mon daron ? Dis-le, hein ? Aïe, putain, vous êtes chiant. T'as été un headshot, les gars, je préviens. Ouais. Ah non, c'est pas notre chat ça, c'est ça autre chose. C'est un côté mousseau en même temps, mais disons quoi. Ça c'est notre shot mon gars. Allez tous par terre. C'est le bras. C'est plutôt stylé les mains, vous voyez pas. Aïe aïe aïe. Oh, t'as pas aimé ça. C'est bon. Oh, 3 étoiles. Enfin, 3 kanji sur 3. Incroyable. C'est le métier qui rentre. Elle m'a raconté des histoires tellement fascinantes. Des histoires à propos du clan, de la prophétie, et il m'a dit comment toi, tu es venu au monde. Le présage criant, visqueux et couvert de sang de la chute inéluctable de son clan. La meuf, elle est fou. Père, c'est Nariko. Pou. Est-ce qu'il est... endormi? Tu lui fais un petit massage cardiaque? Oh la meuf, c'est un médic. Tu entends ce que je dis?
Petit découpage BD là. Te tuer alors que tu n'étais qu'un tout petit bébé, Nariko. Salaud ! Quand il a constaté quel horrible affront tu étais vis-à-vis de Non, je suis maudit. Oh, quel horrible crève-cœur, pauvre chérie. Comme c'est dommage. Elle ne le savait pas. Putain, mais la meuf enroulée pour le doublage, quoi. Oui, c'est la vérité. Ouais, j'ai failli vous, voilà, disons. Pardon, ma petite chérie. C'est cool, parce qu'à la fois, il y a plein... Enfin, il y a des idées bien stylées, et à côté de ça... Le doublage met tout un côté nanar. Ah, mais bien gras, quoi. C'était tellement compliqué. Satan bouche un coin, hein. Tu aurais dû me tuer. Tu aurais dû me trancher la tête. C'est donc à moi de faire ce choix pour toi. De te trancher. Attends ta tête ici. Ouh là là. Bonne petite. Gentille petite. Gentille petite. Va-t'en d'ici. Ce qui est marrant, c'est que Nariko, c'est le seul perso qui fait pas des, qui dit pas des conneries, quoi. Qui dit pas des gogoleries. Alors que tous les autres persos sont complètement too much. Elle, elle est genre... Des gens bien, tu vois. Genre. Je suis tout à toi. Les autres persos sont complètement débiles. Manta. Oh, c'est tellement putain quand tu es en colère. Ah, on va se battre dans l'eau. Oh putain, c'est un fucking... C'est une loutre. Utilisez l'attaque de garde à distance pour repousser l'attaque. Garde à distance. Ah oui, d'accord, elle lance des attaques, cette conne. Un peu dizzy. What? T'es chiante. Ah merde. Mais comment je garde? Ça c'est à distance, je vous en prie. En fait j'ai pas suivi le tuto déjà de base. Mais putain. Attaque de garde à distance. Mais... Non. Mais ça marche pas en fait. Je garde... Je comprends pas comment garder en fait. Faudrait que je regarde les combos. Garde puissante, ouais, ok. Maintenir enfoncé. Garde de distance, bah maintenir enfoncé, bah c'est ce que je fais les gars. Faut le faire perfect pareil ou... Ok. Bah, je ne sais pas du coup. Si tu veux, je vais prendre de la vie, hein, parce que ça a l'air d'être chiant. J'évite ça les gars. Je peux pas sauter donc je comprends pas comment. Je... 10 FPS. Oui, c'est sûr que. Je sais pas comment éviter le truc. Putain,
c'est encore les jeux qui t'expliquent la mécanique après que t'aies fait le boss, quoi. C'est qu'on est, est obligé de changer de garde à chaque changement de couleur, mais tellement vite, rien quoi. Merde, go, c'est ça a changé de pattern. L'esquive qui pue la merde. Mais j'esquive ce bordel quoi, sérieux le jeu. Appuyez sur rond pour opposer un ennemi et vous empoigne. Ok, oui. Pas leur système. Prends pas votre système, les gars. C'est un peu invitable en vrai. Merde, putain. Ouais, je vais m'allonger celle-là. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre, s'il vous plaît. Ah, mais ça, tu peux pas aller esquiver, quoi. Bon, faut juste que je tape normalement. Allez, mais grave là. Ah, la lumière, quoi. Il va durer 3 heures. Tu ne comprends donc pas ce que je suis. Je suis ce qui se cache dans les eaux troubles et profondes de ton esprit. Alors tu sais pourquoi tu devrais me craindre. Ma sœur. Oh putain. Ah, c'est pas fini. Ah si. Si.
Dites-moi que c'est fini. Oh, c'est fini. Oh, putain. Command Boss, c'est pas les trucs les plus réussis. Hein. Ils sont stylés. Oula, 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 le jeu. Hop, oh, pépé, il se prend la flèche. Qu'est-ce qui se passe? Bien soin de toi, Naiko. Genre, il veut se faire cribler Flash? Alors... C'est anime. C'est qui lui? Ah, on va jouer la petite. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. Mais ça veut dire qu'on va devoir viser, donc c'est chiant. À terre, Maître Shen. C'est l'heure de jouer. Alors, ça va être très chiant. Alors, ils sont où? Si t'arrives à voir quelque chose. Ah oui, ils sont là. Ah, la visée qui bouge tout le temps, c'est affreux. C'est bon. Oh non, s'il faut le protéger, ça va être l'enfer. Enfin, moi, cette visée là, ce truc, ça bouge tout le temps. Ah merde, putain. Ah, oh, il est dans le cul. Ah, quand ils ont mal au cul, c'est que c'est bon, c'est bon. Non, what, comment t'es passé? C'est un time to travel de ouf. Quel enfer! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ah, mais 100% de flèches manquées sur ce con quoi! Ah ouais, non, mais c'est l'enfer quand ils sont à l'autre bout de la terre! Oh non, mais sérieux? Faut l'enlever au zéro? Les gars, c'est juste pas possible avec votre visée. Ah, peut-être que si je... Ah non, je crois que je peux utiliser le bullet time. On va voir. Putain, mais les contrôles sont dégueulasses. Je comprends pas les gens, ils arrivent à faire des jeux magnifiques. Mais alors le gameplay, des fois, ils se disent, bon, bah, vous savez quoi, on va voir ça après. Non, le gameplay, c'est pas super important. On a pas besoin. Allez, vas-y. Garde-moi cette merde, là. À terre, Maître Shen. C'est l'heure de jouer. Ah oui, c'est bon, on peut faire du bullet time. Alors, le problème, c'est qu'avec tout le texte qui est écrit dessus, là, les gars, je vois rien. Ah, mais il est pas mort, en plus. Oh là là, il faut plusieurs flèches dans la tête, d'accord, mec. Oh putain, laisse tomber. Tu peux pas zoomer? Tu peux zoomer, non? Ouais, tu m'as touché, quoi. Mais quel enfer, ce truc. C'est passé à travers. Mec, il a un modèle. Du coup, il tombe en slow-mo, mais à 2 FPS. Ah. Oh, mais lol. Alors, mais on va laisser tomber ça, parce que là, c'est affreux, quoi. Putain. Ah, j'étais ambitieux là. Merde, ouais, non, voilà. Je vous en prie, faites que cette séquence ne dure pas des heures. Yahoo!
dans le cul. Vérité, mon gars. Oh merde. Oh mais sérieux ça, je précis. Ah oui d'accord. Comment faire d'un instant un peu émouvant un truc affreux? Mais gros tu peux avancer plus que centimètre par centimètre, hein. Vraiment. Ah, merci d'avoir envoyé quelqu'un, c'est juste qu'on est en train de m'endormir en fait. Tu vas j'espère que t'as pas traversé tout le pont parce qu'en fait. j'ai pas ma nuit à faire ce stream non plus. Hein. Oh lui, il est trop motivé. Pas dans le coup. Non mais. Allô. Non mais c'est une blague. Non, d'accord, ok, pardon. Faire zéro déviation quoi. Tiens dans les fesses, quel enfer. Ah ouais non mais. On va craindre que dans l'ère PS3, ils ont tout le temps, dans tous leurs jeux, mis des faces comme ça, où fallait leur protéger quelqu'un, ou tirer avec une précision digne de. Un mec qui joue avec des moufles. Et ça les gênait pas, quoi. Ils se disaient ouais non, les joueurs ils veulent ça, c'est vraiment ceux qui vont prendre leur. Non, c'est plutôt chiant en fait. Ah merde, putain, j'avais pas vu lui là-bas, oh là là. Oh c'est mort, je dois recommencer parce que j'ai pas vu le mec. Mais c'est le... vraiment un gros tas de... Coucou pizza. Coupizoui, ça va. Merci pour ton follow. Non mais vraiment quoi. Non mais sérieusement. Y'a même pas un petit prompt pour te dire, y'a un mec qui arrive, quoi. Ouais, ça roule, ouais. Non, mais ils sont sérieux, quoi. Moi, ça me fait du montage après pour YouTube, hein, ces conneries. Hein. Vous me faites chier, hein. Ah là 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 là. Mais mets tes fails. Mais c'est même pas des fails, là. C'est juste que le jeu veut que tu tryhardes et le jeu veut que ça dure plus longtemps, en fait. Fear the old blood. Il y a Oda qui suit. Coucou Oda. Bonjour Oda, comment ça va? Bonsoir même. Vous êtes venu me voir souffrir. Souffrir même. Ah ça va super. Je les ai forcés un peu, ouais j'imagine. Je comprends. Quel mytho. Eh ben bien fait pour vous, vous allez voir un gameplay incroyable. Faut protéger Pépé comme un... contre des hordes d'assaillants en leur collant des balles dans le huc. On va essayer en tout cas, parce que c'est pas BF hein, la précision. C'est au calendrier de vos games Battlefield. Ah ouais, vous avez fait full Battlefield. Est-ce que vous avez gagné? Est-ce que vous avez fait des games? J'ai une grosse position sur BF, c'est vrai. Pourquoi pas. Ouch la cheville, ah ouais il a eu mal là. Putain mais... Voilà, ouais, j'étais ambitieux là. Non mais attends, je vais reviser. Faut que je fasse gaffe au con qui va arriver derrière. En plein dans le dos. Mais une flèche au vieux, j'avoue, c'est peut-être ça le truc pour gagner. Et pour faire que ça dure moins longtemps.
En fait, le truc, ça sert de rétroviseur, en fait. C'est juste ça, hein, pour voir qu'il y a un mec qui arrive dans son dos, quoi. Putain, mais les plombs venir. Non, mais regarde où il est. Il est là-bas. J'espère qu'il doit pas faire tout le pont. Est-ce qu'il est pas dans la merde? Coucou Antoine, ça va? Non, mais non, il va crever, c'est sûr. Je vais faire tout ça pour rien. Désolé, Antoine, hein, c'est pas Azura. Hein, c'est... Heavenly Sword. C'est la mise en jambe pour Azura, tu vois. Après ça, tous les jeux seront forcément bien, donc Azura sera un jeu magnifique. On dirait le vieux dans Tomb Raider. Ah, un peu, ouais. Ah ouais, si l'autre con est en train de pop, non, ça va. Moi, j'étais ambitieux. J'étais ambitieux. Je crois que c'est là qu'il arrive l'autre. Hein. Jubi, là. Ah, moi, ouais, ce con là-bas. Je suis vieux. Pourquoi t'es vieux? Est-ce qu'on peut lui faire placer la flèche dans la caméra dans le rétro? Ah oui, elle passe. C'est beau. Oula, par contre. Storytelling de ouf. C'est bon, c'est fini, s'il vous plaît. Oh non, il y a un con encore. Putain, je le vois même pas, il est où? Et là. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Putain, tu fais plus de kills que moi. Dans mes trois parties de BF, quel enfer. Ah mais bon, j'ai une IA un petit peu, voilà. Flatteuse, on va dire. J'ai pas des joueurs aguerris. Apprends-moi, Senpai. J'étais pas... Putain. J'étais pas si mauvais à BF1 hein, quand on y jouait à l'époque. Oh là là, mais c'est pas vrai. Tout le jeu dure... C'est tout le jeu. Attends, lui, il fait des fifouleries. Oh là là, mais vas-y. Ils sont sérieux. Ass shot. Non mais sérieux quoi, genre, la séquence est dure. C'est plus long que ce que j'ai fait dans tout le jeu pour l'instant quoi. Dans le look. Alors, faut pas que j'oublie le mec devant là. Non mais là y'en a trop là. Stop, stop le bullshit là s'il vous plaît. Abdo shot. Attends, on va essayer de viser autre chose. Ah non, j'ai loupé. C'est bon, j'ai de la marge. Chignon, s'il vous plaît. Ah bah les chignons. Non mais Juju, tu fais chier là, tu me déconcentres. Ce serait le feu des kills gars comme ça, ah ouais, ouais, joli. Mais, ah ouais, non mais le mec il fait des petites feintes. Bah, dans Sniper Elite, il y a des kills gars qui ressemblent un peu quand même. Mais c'est juste que c'est plus une partie intime. Ah, pitié, j'en ai marre. Ouais, c'est un peu plus esthétique. Est-ce que je peux avoir un doublé là? Oh, j'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Oh. C'est un carreau d'arbalète, hein, ça transperce les cons. Accolade, ouais. Le passage est aussi chiant que la musique. C'est... Franchement, j'espère que Hellblade sera pas comme ça. Hein. Hellblade 2. Lui, il est mort ou... Lui, il est pas mort. Lui, il est déter. Oh non! Oh non, putain, j'ai réussi à tout s'il vous plaît. Incroyable. Ça partit en fragment vie. Ouais, c'est Ninja Theory, ouais. Ah. Mais... Ah non, mais eux, ils sont morts, en fait. Je peux pas y toucher. Quand
je disais tout à l'heure, j'espère que c'est pas tout le pont qu'il doit traverser, il traverse littéralement tout le pont. Oh. J'ai envie de te tirer une balle dans la tête juste pour rigoler, mais j'ai pas envie de tout refaire. Ils ont pas connu la phase bazooka dans le jeu de mort. Ah oui, ils ont pas connu ça, ouais, j'avoue. Ah oui, la phase bazooka dans... c'était quoi déjà? Shadow of the Damned. C'est pas drôle sinon, bah non, ouais. Oh, ah ouais, non, mais putain, c'était... C'était ouf. Mec, comment il chauffe? Il faut partir. Elle a choisi sa voix. Nous devons suivre l'anneau. Ta sœur, on s'en bat les couilles. Tu m'as sauvé, tu es ma préférée. Oh, mes vénérables ancêtres. Oh putain, mon cul, ça me fait mal. J'ai mené des centaines d'hommes par la vie et la mort. C'est un chien, le mec. Non, c'est leur père, c'est pas leur grand-père, c'est leur père. C'est ça qui est ouf. J'ai des bonbons qui viennent. Il y a eu les cyclones. Qui se soucie de ta mort, Nariko? Dis-moi, qui? Oh, laisse-moi te tuer. Tu es morte de toute façon. Tu m'as libéré, petite sœur. Personne ne m'en voudra si je t'étripe comme un vulgaire poisson puant. Oh merde. Oh, je l'ai évité. Oh, je l'ai pas évité. Vraiment un gros tapis. Merde. Tu butes rien. Et en plus... Oh putain, c'est rose cette phase, c'est affreux. J'ai pas le temps en fait de réagir à ce... Je sais pas ce que je fais, mais ça va marcher. Dark Souls, bien sûr. Je me suis senti vraiment de la gamme. Je sais pas ce que je fais. Mais comment tu veux que j'ai... Oh là là, putain, quel enfer. Je peux pas esquiver cette merde. C'est vrai qu'elle est bientôt morte. Mais non, mais non. Mais ramasse le pot, putain, mais... Ah bah quand même, putain. In extremis, quoi. Oh, le petit B du 1 HP, mais grave. Oh, la meuf casse-couille. Faut pas essayer à tout prix d'être original. Tu vois, ta tête est déjà originale. Oh putain. Je suis un génie. Non mais putain, mais vos cinématiques ils sont à... Sûrement pas moi qu'on aurait vu voler au secours de mon père. Je me suis ennuyé. Oh mon dieu,
Et du coup, elle a laissé l'épée dedans, la meuf. Mon chéri. Laissez-moi voir cela. Putain, il y a des grosses peluches, hein. Oui, très cher. J'ai si peur. Aidez-moi. Bonne nuit, ma douce. Oh. Elle a à peine une épée dans le ventre. Tout entier s'inclinera devant moi et les merveilleux de ma gloire. Et pour se faper sur son épée, c'est bien mon gars. C'est bien. Je t'ai perdu. Oui, Hellblade. J'avais besoin de toi pourtant. Oui, bonsoir. Tu fais partie de moi. Et moi de toi. Ne me quitte pas. Tu rames, chérie. Pas quand j'ai le plus besoin de toi. Tu es en 10 FPS, calme-toi. Pourtant, franchement, j'ai vraiment envie de te plaquer parce que là, avec les phases de merde de gameplay que tu m'as mis. Au moins, ils savent faire de la synchro labiale. C'est pas faux. Chapitre 3. Let's go. Je suis pas prêt, hein. Je vais cracher ma flotte, les gars. Petit fils, explique-moi au juste ce que tu veux, Nariko. Mourir vaillamment ou verser ton sang pour une cause perdue peut-être. Bon, de toute façon, c'est fini. Nariko. Repartons du début. On pourrait faire un peu plus connaissance, hein. Tu sais, tu es plutôt jolie. Oh là là, ça va partir. Et la vie est faite pour s'amuser. Ah d'accord. Ah, les jeux des années 2000, hein. Je vais te tuer. Et je vais tuer le gros tas de viande qui te sacrifice. Très intéressant. Mais vois-tu, l'épée est à moi maintenant. Elle est en lieu sûr dans mon armurerie. Avec d'autres... Qui est cachée au troisième étage de mon château. La clé se trouve dans ma suite. Mais je te dis rien. Allez, la PS3. Oui, merci. Regarde sous le paillasson. Bienvenue. Oh, oh non, on joue. Non, pas elle. On joue Willow de Buffy contre les vampires. Écoutez bien sa voix, c'est Willow. Enfin, elle parlera peut-être plus jamais, mais... Pourquoi tu as laissé Kay toute seule, Nariko ? Il y a un bison qui a sauté sur ses gueules. Pénétrez dans le temple de Bohan pour trouver Nariko. Par contre, les animes, franchement, petites animes de déplacement, elles sont grave stylées. Elle me fait déjà chier. Oh, elle a des petits problèmes, voilà. Regarde-moi ce petit décor là, franchement. Jeu de lancement de la PS3, hein. Un jeu vraiment early. Ça roule le cul. Bon, ça va, c'est un enfant. Se calme. Je peux faire quoi ? Oh, la visée de merde. Ok.
Allô, y a quelqu'un? Ouais, y a personne. Non mais sérieusement, y a plus de physique que dans RE8 quoi, c'est un truc de ouf. Fais pas le mec Antoine. Maintenez, enfoncez pour vous arrêter et visez, appuyez sur carré pour tirer. Oh, non, pitié. Ouais, mais... Ah, les mecs, ils ont pas vu ma flèche. Michel. C'est vrai que tu vises à la Wiimote. Je pense que la Wiimote c'est plus précis que ça. Hein. Oh non, merde, putain. Le doublé. Toi, toi, en plein dans le cœur. Allez, pas de casse. Ah, j'ai aussi l'esquive, je pense que c'est super utile. Essayez de contre-téléguider une flèche à travers les flammes. Arrêtez de me backseat en fait. Appuyez sur X pour franchir les obstacles. Oh, petit pathfinding là. Ouais, j'ai une visée, ok. Le jeu. Mais ce que j'endure quand même pour voilà. Certains ennemis ne peuvent être tués qu'en étant touchés à la tête. Ah bah c'est nickel. Quelqu'un c'est... veut une hache ici. Alors attends. Oh mais arrêtez de me foutre des flashs blancs. Ah non mais gros, pas le temps de le viser ce mec. Je jure j'ai mal à la tête. Disons que c'est le fin du live dans 10 minutes parce que là je vrille. Tu t'influes ça, mais en vrai il y a des trucs bien hein. Techniquement c'est ouf, les efforts de mise en scène qui sont assez stylés, mais par contre le doublage et certaines phases de gameplay font tout péter quoi. Chut, je suis stealthy. Rester à distance et éliminer les gardes. Oh non, va falloir faire deux. Ils ont tout mis dans ce jeu. Vous comptez que je vise là en fait? Qu'est-ce que c'est que cette phase de merde? La caméra qui se réinitialise tout le temps. Je ne plaisante pas. Chaque fois que c'est pareil, les jeux PS3. On voit les jeux PS3 360.
Mais oui, je suis d'accord. Je sais. À chaque fois, ça part bien et il y a un truc qui vient niquer tout. Il vient niquer tout ton fun, quoi. On est assez d'accord. Oh non, il y en a d'autres. Attends, je peux peut-être les asmater direct, quoi. Merde. Ok, il peut repousser ton bandement un ennemi en faisant un assommement carré pour assommer un ennemi. Ok. Oh, il est vachement assommé de ouf. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent pas sauter par-dessus les caisses, c'est con. Des oreilles de chat. Artwork débloqué. Il faut que j'aille où, du coup? Ça me paraît d'être... Oh putain, mais la caméra qui se redécise dans le mauvais sens. Putain, mais casse-pied, toi. En fait, faut que tu mettes la caméra dans le sens où tu vas, et là, ça va. Bon, les gars, venez sur les flèches, là, on en parle plus. L'IA qui casse les couilles. Voilà, voilà. Allez. Je veux chiver le rideau. Il est sorti là, non? Ouais, il me semblait bien. Ça doit être assez le bordel, non? Ce genre de jeu en vrai, non? Je veux vendre mon âme au diable. C'est quoi que j'ai vu? Oui, j'ai vu que sur le chat, les Russes pouvaient enfin utiliser le chat sur Valorant. Ça doit être bien. Full life! Yes! Qu'est-ce que c'est de merde? Bon, voilà. Vous savez quoi? On va s'arrêter là, hein. Je peux pas. Je peux plus. On peut tirer à travers ou pas? Oh là là, putain, le truc ici. Ouais, effectivement, on peut, hein. Sonner de la parole russe. Moi ça. Maintenant. Oh non, pas comme ça.
comment vous voulez que je fasse en fait? Faut que je me retourne, que je vise et que je tire. C'est injouable, sans déconner les gars. T'as raison. Bah, une flèche, si elle passait pas aussi à travers les mobs, ce serait bien. Oh le mec qui m'a fait le meilleur détour de sa vie. Oh mais putain. Moi j'ai envie de me raviser quand je fais des... Oh mais encore ! Oh non mais putain ! On dirait toi. Oh putain ! Les caméras qui veulent pas... Il faudrait qu'elle aille beaucoup plus vite que eux en fait. Déjà au moins ce serait équilibré parce que là, le mec il court aussi vite que moi. Je dis que j'ai arrêté. Hein. Petit checkpoint là au moins. Ils peuvent faire ce passage de mort. Mais au moins il y a de la physique, ça c'est bien. Cible à gogo terminée, voilà, allez. Vous savez quoi? Stop, stop les frais pour ce soir.